Eh bien, salut à tous, c'est Flowstunting, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve sur GTA V pour la bande-annonce ou comme vous voulez quoi. En gros, c'est la bande-annonce ou la description de ma chaîne. Voilà, c'est plus simple pour les nouveaux arrivants, hein, les nouveaux abonnés qui viennent sur ma chaîne. Voilà, en gros, c'est ça. Donc, on commence tout de suite par la présentation de ma chaîne. Donc, la présentation de ma chaîne, c'est une chaîne Stunt plus. Alors attention pour ceux qui me connaissaient avant cette présentation, j'étais plutôt varié dans le stunt. Maintenant, le stunt, je me suis dirigé vers un stunt spécifique, c'est le hipster slide. Bien sûr, il y aura encore du stunt, mais ça sera plus le même qu'avant. Il y aura encore le même qu'avant, mais plus beaucoup. C'est plus comme avant. Bon, après, c'est du stunt, hein. C'est le même. En gros, et voilà. Donc, je peux avoir des contenus assez enrageants, hein, enrageants, même comme ça. Je peux avoir des propos, des mots assez choquants, genre Asie nique ta mère et tout. Et donc, c'est tout simplement ces mots, la plupart du temps, la majoritairement du temps, enfin, majoritairement du temps, sur. 3 fois sur 4, ils sont tout simplement on va dire floutés, on peut dire floutés par tout simplement cette voix x2 qui me sert bien, ouais, bien, puisqu'elle elle peut tout simplement me servir pour vous faire rigoler, pour vous donner un air marrant et pour tout simplement aussi masquer un petit peu masquer tout simplement aussi les mots, tout ce qui est rage en fait, tout ce qui est pas cool à entendre naturellement, ça rend un degré assez drôle qui en fait plus tard dans le montage je verrai que tout simplement c'est même pas un degré drôle comme ça, mais avec cette voix ça donne un petit degré. Voilà. Donc aussi, il n'y aura pas que du vidéo, des vidéos sur GTA. Il y a d'autres jeux aussi que je peux faire. Je peux faire des vidéos dessus. Ça me plairait extrêmement bien. Voilà. je parle pas français. Oui, je sais. comme vous avez pu voir aussi dans la chaîne, enfin ceux qui sont déjà là. Viennent de s'abonner, je sais pas si vous avez vu, mais tout simplement j'essaye de varier pour pas que vous restiez saoulé en fait sur GTA. J'essaye de faire du Dying Light, du Fallout 4, j'essaye de varier un peu les jeux pour, comme j'ai dit, que vous soyez pas saoulé de GTA et que vous en liatiez pas. Voilà. Donc ensuite c'est l'emploi du temps de la chaîne, puisque maintenant on est aux 230 abonnés, donc c'est une barre assez haute pour moi qui n'a jamais atteint cette barre avant certaines chaînes, dans mes précédentes chaînes. Putain, mais j'y vais arriver. Et je trouve que c'est plutôt pas mal. Ça arrivait super vite, franchement. C'est 230 abonnés comparé arriver jusqu'au 100, c'est vachement rapide. Franchement, entre nous, c'est vachement rapide. Donc c'est pour ça que maintenant je me fixe un petit objectif. Maintenant, les vidéos. Bon, j'ai. Attention. Donc les vidéos. J'en mets une le mardi. Donc une vidéo sur un jeu. Un jeu autre que GTA. Et le vendredi, je mets une vidéo détente sur GTA. Détente, ce qui veut dire genre qu'on se pose bien, qu'il n'y a pas vraiment de rage. Bien sûr, il y aura les x2, mais plus détente, genre bon, il y aura à 100%, à 60% du rage, de rage. Ça, c'est clair et net. Mais c'est pour vous faire passer un bon moment. Donc une vidéo assez longue entre 20 et 25 minutes,
enfin entre 15 et 25 minutes parce que sinon c'est trop chaud. Mais les vidéos de mardi, ça sera plus dans les 10-15 minutes, voilà, dans le maximum c'est 15 minutes. Parce que après sinon c'est trop long et vous bah, vous avez des devoirs à faire, vous avez tout simplement du travail donné, du travail tout simplement pour des contrôles, et je sais ce que c'est, donc c'est pour ça que j'en fais pas des trop longues à ce moment-ci, mais le week-end il n'y a pas de problème, je... voilà, une demi-heure c'est bon. Voilà, donc pourquoi je l'ai mis mardi? C'est pas sûr que les vidéos, la vidéo, je la, enfin, que l'emploi du temps reste fixe pour bah, tout simplement la chaîne. Pourquoi? Puisque j'ai créé un sondage et je vais me fixer sur ce sondage pour bah, faire l'avenir de ma chaîne, genre bah, comme l'emploi du temps. Là pour l'instant j'ai eu des 100% pour le vendredi. Donc pas d'autres cochages d'emploi du temps, j'ai que le vendredi. Et moi il me faut 2 jours. Donc les 2 jours, c'est pour ça que j'ai pris mardi. Je me suis dit ouais c'est un moment, je coupe entre deux. C'est assez rapide, c'est assez équilibré, donc pourquoi pas, allez hop. C'est parti. Alors ou bien aussi inversement, on peut faire du mardi du GTA comme ça et le vendredi une vidéo sur un autre jeu mais en détente. Voilà, c'est comme vous voulez, c'est à vous de choisir, c'est à vous de, c'est moi qui verrai ce que vous vous préférez, comment vous réagissez, mais bon je pense que ça pourrait être cool. Alors attention, maintenant on va parler de l'espace vidéo. Donc qu'est-ce que j'ai nommé espace vidéo? C'est tout ce qui est commentaires, like, partage et tout. Alors donc il y a un certain temps, il y a quelques semaines en fait, ou quelques mois même, je sais franchement je me souviens plus, pour moi c'est récent, mais ça doit être super super tard, que super super tôt, ouais. Super tard, ouais. Wow, je vais y arriver. Mais que tout simplement, dans les vidéos, vous laissiez un commentaire. Enfin, mes abonnés laissaient un commentaire que je pouvais lire dans une prochaine vidéo. Et qui donnait un petit sens comme ça, bien sympa. Et puis ça vous plaisait, donc bah, j'ai continué. Sauf qu'à un moment, bah, j'ai relâché. J'ai plus le temps, j'ai oublié, j'ai plus le temps. Bah, tout simplement lire ces vidéos, lire ces commentaires, et donc du coup bah, c'est parti en couille, et donc j'ai plus de commentaires, et je voulais tout simplement aussi relancer cette bah, cet espace échange entre moi et ma communauté que j'ai. Parce que franchement, moi ça me plaisait de faire ça, et si ça vous plaît, je pourrais continuer. Et moi ça me pose aucun problème. Franchement, il n'y a aucun problème là-dessus. Au niveau des likes, c'est pareil. Je vous ai donné des objectifs à un moment. Sauf que ben, j'ai relâché. Je vous ai plus donné d'objectifs. Et les likes, c'est parti en couille. Entre nous, c'est parti vachement en couille. Donc là, c'est plus un formation. Bah, pour mes abonnés et vous aussi, puisque ça pourra vous, ça pourrait pourra ça pourrait vous donner des idées un peu de ce qu'il va avoir dans l'avenir. Et donc un moment, bon après j'ai refait une vidéo là-dessus il y a peu de temps, où je vous ai dit il se peut que j'oublie de vous donner une barre tout simplement de like à un objectif en fait, de barre de like à réussir. Mais voilà, comme j'ai dit, il se peut que j'oublie. Et donc, je vous ai demandé que dès que je vous demande pas d'objectif de like, qu'on dépasse au moins les 5 likes, voilà. Qu'on atteigne au moins les 5 likes quand je vous le demande pas.
Donc ce qui est plutôt pour l'instant bien, puisque on est bien parti, franchement. Entre nous, les likes sont plutôt bien. On dépasse pratiquement chaque fois les 5 likes, donc franchement super. Il y a aussi, donc tout simplement, ça irait plus dans la présentation de chaîne. Il y a aussi les vidéos mystères. Les vidéos mystères, je pense en faire beaucoup moins, parce que tout simplement, moi ce que je recherche, c'est pas une communauté qui veulent voir que du GTA, enfin que du mystère sur GTA, puisque dès qu'il y aura plus de mystère, on fera quoi? Eh ben on fera rien et ça sera une communauté inactive. C'est pour ça que je vais en faire très peu maintenant. Une fois par mois, je vais faire une vidéo mystère qui regroupe un peu tout ce qu'on a trouvé. Et vraiment, c'est comme si la vérité sur Cyrano, comme la vidéo du dernier mystère, si vraiment il y a un truc à faire parvenir, je vous le ferai. Voilà, je suis pas comme ça. Je vous le ferai. Je vais pas laisser des youtubeurs ou même quelques hypothèses inachevées, tout simplement mensongères et tout, comme ça. Franchement, j'adhère pas à ça, j'adhère pas qu'on manipule tout simplement une communauté, qu'on essaye d'avoir des vues, des abonnés en faisant des trucs faux, puis qu'en croyant que ça passerait crème, alors que non, pas du tout. Voilà. Et donc voilà. Ensuite, on a tout ce qui est autre. Donc autre, je veux parler des lives, des réseaux sociaux, des sondages, des crews. Donc les sondages, je vous en ai déjà parlé. Ça renouvelle un peu depuis les 1 an de ma chaîne. Donc je voulais voir votre ressenti depuis 1 an, 1 an que vous êtes là. Enfin depuis que vous êtes là en fait. Bon, ça vous concerne pas ceux qui viennent d'arriver. Enfin pas forcément, vous pouvez aller répondre quand même. Ça prend 30 secondes. Et donc c'est dans le lien de la description. Le lien est dans la description de cette vidéo. Donc n'hésitez pas à cliquer dessus. Et donc tout simplement aussi j'ai un crew pour qu'on puisse jouer ensemble. Par exemple, je peux faire des funtages à un moment sur des courses, sur des braquages. Surtout, n'hésitez pas à rejoindre ce crew. C'est grâce à ce crew que je vais pouvoir tout simplement vous faire des vidéos comme ça, vous inviter à des courses, pouvoir faire des vidéos ensemble, des vidéos stunt ou X raison. Voilà. Donc en gros, voilà un peu la description de ma chaîne. J'espère qu'elle vous aura plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à t'abonner. Ça fait extrêmement plaisir. Et à suivre tous mes contenus qu'il y a sur cette chaîne. Et écoute, hein, n'hésitez pas à partager, à commenter, à liker. Donc pour cette vidéo, j'espère au moins atteindre les 4 likes, puisque c'est quand même une présentation, une description. Donc je pense pas qu'il y aura une grande influence, mais on sait jamais. Donc voilà, les 4 likes, on dépasse les 4 likes et c'est nickel. Donc écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Hein, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un gros like, à partager et à commenter, ça fait toujours plaisir. Et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.